Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Gaming où se mêlent jeux vidéo, crypto et informatique. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne et ça me motive pour continuer les vidéos. Et si tu veux voir mes vidéos dès qu'elles sortent, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! Et donc du coup, nous allons faire le troisième épisode de The Elder Scrolls Skyrim. Moi, je suis pas très doué pour le dire, disons Skyrim. Et pour là, cette image était parfaite car nous allons faire les chutes tourmentées, si je me souviens bien, un truc du genre. Bon, et ma manette, elle est là. Alors du coup, j'ai vu, ça a été à moitié la galère. Parce que du coup, pour la sauvegarde, et bah du coup, quand je veux arrêter la vidéo, ça me fait charger les dernières sauvegardes. Dans ce cas, on va supprimer toutes les premières. Et on va faire au fur et à mesure. Bon, ça va être un peu galère, mais au moins, Attendez, logiquement, je connais. ça devrait pas péter les plombs. Parce que si jamais ça me fait prendre une sauvegarde, parce que du coup, moi, ça m'avait fait charger l'une des premières sauvegardes. J'ai cru que j'avais pété un watt. Au mode, les gardes, ils ont décidé de me laisser tranquille, c'était pas pour tout recommencer. Mais du coup, ça a fonctionné. Du coup, je vais pas me plaindre. Alors juste j'avais dit quoi, je crois qu'il faut que je vende des trucs, c'est ça? Ouais, on va vendre quelques trucs. Attendez, je vous connais. Voilà. Tant qu'à faire, on ramasse tout ça. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Tout est avant. Des babioles, des petites choses. Améthyste. Ah si, il me faut... Mince. On va me dire qu'il a pas la... Calme. Non, il me faut la pioche. Revenez donc. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Hop là. Vous avez l'air pâle. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. Comment gaspiller son arme? Enfin bon, pour les débuts, au moins ça va un petit peu augmenter. Bien bizarre. Le breuvage.
Ah, ça doit être parce que elle m'a appris certains trucs sans doute. Je vends des remèdes pour les maladies. Bienvenue dans mon magasin. Bon, une fois que j'ai plus de bol. Bah, décidément. Ah, voilà, c'est ce que je craignais. Ah. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Vous trouverez sur mes stagiaires toniques, pas de chance. Place mes potions. Regardez tant que vous voulez. Y a quelqu'un d'autre? À part la guille. Mais pourquoi faites-vous cela? Ah, parce que je demande des potions, donc. Des trucs comme ça. Alors, sois gentil. Dégâts, magie, récupération, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en peux pas. Éloquence, augmentation, c'est bien. La magie augmente de 17 points par 60 secondes. Résistance à la magie 4% pendant 60 secondes. Et les poisons concentrés. Ouais. Ça, je garde. Ça, je vends. Je vends. Je vends x10. Voilà. Au revoir. J'ai plus qu'à aller chercher ma petite pioche et c'est bon. On va pouvoir aller aux terres tourmentées. Oui, Oscar. Partons sans attendre. J'ai rien de lui. Vous êtes quelqu'un ce qui s'en fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Pioche. Quoi que j'ai peut-être quelque chose à lui vendre aussi. Faire des dégâts. Non, ça. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Je vais juste transformer ma peau. Forge. Alors, 3 bandes de cuir, 4 marqueurs. Un truc qui coûte pas beaucoup. 2 bandes de cuir, 1 cuir, c'est parfait. J'ai des armes. Je ne prépare ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Pourquoi il court derrière? Eh bien voilà. Ah, ça doit être ceux qui vont à Rivebois. Mais moi là pour l'instant je peux y aller à Rivebois. Je suis pas sûr que c'est trop dangereux. Oh, elle était stylée. L'armure en os. Ça c'est pas près d'arriver. Aïe.
Sheol. Ou Rania. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Hey, pourquoi tu m'attaques? Touché. Non mais... de l'argent. Ouais, j'ai pas tout compris du coup. Et en plus, quasiment plein. Si au moins je pouvais trouver un truc. C'est bien ça. Allez. Touchez-le. Hé hé. Un bon petit filon d'argent. Les copains, viens pas m'attaquer s'il te plaît. Juste activer le point de retour. Tu veux bien t'activer, oui? Ah voilà. Bon, on va peut-être pas jouer avec le feu. Bon, il y a peut-être un truc à récupérer là. Ah non. Et hop, petite téléportation. Moi si j'aurais pas la téléportation dans ce jeu là, je crois que je péterais les ponts. Parce que je suis tout le temps en train de faire des allers-retours à essayer de vendre les trucs pour me faire de la thune. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. C'est vrai que le déplacement rapide est plus rapide qu'avant. Avant ça prenait quand même pas mal de temps je trouve. Watch out. C'est quoi ça? Ah c'est du minerai. Ah, de l'améthyste. Et un grenat en plus. Quel... Ça rapporte de l'argent, ça. C'est bien ça, quand je vais fondre tout ça, après, je vais pouvoir améliorer les armes et tout. Ça sera nickel. Surtout qu'il faut que j'améliore ma compétence de forgeron pour avoir des meilleures armes.
J'ai cru. C'est parti. Les tertres des chutes de tourmentés. C'est vrai que c'est stylé, quoi. Ah oui, comment on fait pour... Tac. Ah, normalement, j'ai pris une capture d'écran. Parce que pour les captures d'écran, il va falloir que je les prenne autrement que d'habitude. Touché. Et de dos. Donne-moi ton fric. Voilà, jusqu'aux chaussures. On va voir. Allez. Va me toucher. Non, tu vas me toucher. Et de dos. Donne-moi argent. Et maintenant que j'y pense. Ça coûte cher, ça? Ouais, bah c'est pas pour tout de suite. T'es où? Point rouge, t'es où? Par là? Ah ouais. Bien joué avec papa. J'ai plus d'énergie, alors on va finir ça à la magie. Je trouve ça délire les petits trucs comme ça qu'ils font avec la petite cinématique. Amulette de Julianos, magie plus 10 points. C'est bien ça. Et c'est parti pour lui, pour le temple de tourmenté. Ah, encore plein de trucs à ramasser. Bon, comme d'hab, je vais être trop lourd dès qu'on arrive là. Bon, vous venez vous battre, les copains? Normalement, j'ai pas à m'embêter à le faire avec là. Et voilà. Elle est où l'autre? Ah, ok. J'adore. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Passe quoi? Elle veut pas mourir? Ah ouais, le truc de dingue. Elle voulait pas mourir. Oh, du coup, Red. On va commencer, on va laisser des trucs ici. Comme ça. On va laisser les trucs lourds. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ok. De bûcheron, je la veux bien.
logiquement, ouais, c'est déjà mieux. Regardons ce qu'il est en train de faire. T'as pas eu de bol, mon gars. Voyons voir. Alors, ok. Ok. Et ok. Deux serpents, une baleine. Et voilà. Et petit voleur à la tire. C'est vrai, j'ai plus un niveau. Monter la vigueur. Parchemin boule de feu. Ça me stresse, vos étoiles d'araignée. Un petit coffre à décacher. Bon, c'est pas ouf ce qu'il y a là-dedans, par contre. Mais bon, c'est que les débuts. Où t'es moche? Où t'es moche, la brousse? Ouais, t'es moche. Grosse vilaine de bête. T'es où? Grosse vilaine de bête. Va manger l'autre. Va manger l'autre. Va manger l'autre. Aïe. M'empoisonné. Sale bébête, tu vas voir ce qu'il y a. Tu vas voir. Voilà.
Bon, par contre, je suis comment en fait. Allez, viens par là. Sale bébête. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature... Et si j'ai pas envie? Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez tout, j'ai l'air de pouvoir bouger. Vous devez... Non, laisse tomber, je me débrouille. B2. Ouais. Non, regardez, le code, il est juste... Alors, mes deux trembles, Guptor est enfin entre mes mains et avec elle le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de Lucan Valéran ne s'était jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé du tertre des chutes tourmentées. Il ne me reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et à déverrouiller la porte. La légende dit que les nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui ne sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans la paume de sa main. Ouais, c'est pour ça que je disais que l'autre, dans la griffe d'or, il y a le code. C'est de l'arnaque, le truc, il y a quasiment rien. Carbonisé. Je vais encore plus avoir assez de place, moi. Dans le coffre, comme ça, ça sera à l'entrée.
Pas mal. Ça va un peu mieux niveau poids. Par contre, il est juste là. Du coup, on va aller dormir quelques heures. Et sur ce, les amis, du coup, ça va être la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons finir ce petit donjon des tertres tourmentées. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces en l'air. Ça aide énormément la chaîne et ça fait plaisir pour continuer les vidéos. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme ça, vous verrez les vidéos dès qu'elles sortiront. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt la compagnie.